Voix de la fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans excuse me, de la fédération anarchiste. Bon, excusez-moi pour cet éternuement, mais quand on sort du métro Philippe Auguste pour se rendre dans cette radio formidable, il y a un courant d'air à décorner tous les cocus de Provence et à foutre des comment on appelle ça, les choses aux poumons là. Une pneumonie. Ah ouais, une pneumonie, voilà, tous les petits vieux. Bon. Alors, c'est l'émission à racaille. Vous la connaissez, l'émission à racaille? Ah ben, peut-être que vous êtes nouveau sur le net. Donc, l'émission à racaille, c'est une émission qui se veut un regard en marche sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique en politicienne. Et pour l'art en marge, on n'est pas toujours dans la marge, mais enfin, par rapport à l'époque, si. Avec les peintres des bords de Marne, voyez-vous. À l'époque de l'art contemporain, ça jette, comme qui dirait, un espèce de froid, voyez-vous, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, bon. Non, on n'est pas dans les choses, les Anouchapir, Jeff Koons, Hirsch ou autres, Buren et compagnie. Non, on est dans les peintres des bords de Marne, voyez-vous, c'est pour les vacances. On s'est dit que c'était peut-être un thème un peu quand même ludique, voyez-vous, même si c'est complètement dépassé. Voilà. Alors, une petite citation pour la route, ça c'est pour plutôt, c'est pour le presse-papier que j'ai commis ce matin. Hein. Vous écoutez bien, là, les louloutes et les loulous? Bon, je commence par des guillemets, attention. L'esprit clérical se définit de lui-même. C'est tout simplement la raison bafouée, la lumière du soleil niée, la liberté maudite, le despotisme exalté, le pouvoir civil enfin subordonné au pouvoir religieux. L'esprit clérical, c'est la négation des conquêtes de la science moderne, la haine de la dignité humaine, le retour aux sanglantes ténèbres du Moyen-Âge, en un mot,
Le contre-pied de la révolution. Pam, 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 pam. Et c'est de qui ça? Devinez, je vous le demande. Émile de Pierre Larousse. Ouais, quand même, il écrivait des trucs pas trop cons. Voilà. Et ben, ça sera le thème de mon presse-papela. Voilà, bah bonjour tout le monde. Moi, je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé, l'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes, croassez leur stupide chant, ils voudraient encore les brigands salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et l'été noir, sous la calotte et l'été noir. Mais de nos bulletins de vote, nous accableront ces gredins et les voix de tous les scrutins leur crieront à pas la calotte. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Quoi ces curés et leurs vicaires feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers, seraient un jour nos meurtriers? Car ces cafards de Villerasse sont nés pour être inquisiteurs. À la porte les imposteurs, place à la République, place. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Tremblez, coquins, cachez-vous, traîtres, disparaissez loin de nos yeux. Le peuple ne veut plus de prêtres, patrie et loi, voilà c'est Dieu. Patrie et loi, voilà c'est Dieu. Assez de vos pratiques niaises, les vices sont vos qualités. Pour réclamer les libertés, il n'en est pas pour les punaises. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Citoyens, punissons les crimes de ces immondes calotins. N'ayons pitié que des victimes que la foi transforme en crétins, que la foi transforme en crétins. Les fleurs, les hypocrites, mêlez-vous au moins le fainéant.
mais les escrocs, les charlatans, pas de pitié pour ces jésuites. Aux urnes citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. De l'imposture inspire nos votes vengeurs. Expulsons l'horrible tonsure, hors de France les malfaiteurs, hors de France les malfaiteurs. Formons l'union radicale, allons au scrutin le front. Pour sauver le pays, il faut une chambre anticléricale. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Voilà, Marc Augeret, la Marseillaise anticléricale. Oui, pour vous préparer à ce qui va suivre. Et que j'ai pioché, si vous voulez, quand je cherchais un bouquin pour Publico, là, pour, évidemment pour l'évoquer, pour que vous puissiez courir l'acheter. Je suis tombé sur Les corbeaux contre la calotte, publié aux éditions Libertaires, voyez-vous. J'en parlerai dans mon petit billet sur Publico. Voilà, et j'ai été complètement stupéfié, si vous voulez, par... Ben, je connaissais déjà les caricatures, les dessins satiriques de ce 19e siècle, ou du début du 20e, ouais, parce que là, c'est surtout en avril 1905, en pleine discussion de la loi de séparation des Églises et de l'État, que paraît en France cette revue anticléricale illustrée qui s'appelle Les Corbeaux, en référence aux noirs des soutanes de la prêtrise, voyez-vous. Mais alors, en tout cas, pour cette chanson, la Marseillaise anticléricale, chantée par Marc Augeret, quand on parle de prélats, nous interprétons cette chanson, évidemment au XXIe siècle, par tous les prélats de toutes les églises, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane ou autre. On peut parler de l'église protestante, on peut parler des évangélistes, etc. etc. Voilà. Pour nous, tout ce petit monde, il est dans la Marseillaise anticléricale, voyez-vous. Et alors pourquoi que je la ramène à propos des corbeaux contre la calotte, voyez-vous. Si vous suivez un petit peu l'actualité, si vous écoutez à Racaille quand même depuis quelque temps, vous saurez que ici même, dans cette émission qu'abrite notre chère Radio Libertaire, nous ne sommes pas forcément très, très tendres avec les porteurs d'habits religieux ou d'idées religieuses. Voilà. On serait un petit peu comme en 1905... où l'anticléricalisme s'inscrit dans une dynamique déjà bien engagée de la part de tout un milieu social, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est dans toute l'Europe, qui voit dans la caricature une arme formidable pour réduire l'influence de l'Église catholique sur les consciences. Alors j'ajoute à l'Église catholique, si vous voulez, les Hébreux, les musulmans, etc., etc., etc. Voyez-vous, les trois piliers de la connerie humaine, pour résumer. Voilà. Alors, la caricature et le rire contre le clergé, contre tous les clergés, j'ajouterais, sont alors considérés comme des outils de propagande que le lecteur inorganisé ou le militant diffuse sous toute forme de support. Journaux, affiches, papillons volants, tracts, cartes postales, etc. Et ça c'est moins sur les cartes postales, c'est dommage. L'image satirique envahit l'espace public, s'affiche sur les palissades des rues, est distribuée lors des manifs ou à la sortie du métro.
déjà, oui, en 1905, et circule de main en main, se vend aussi à la criée sur les marchés. Ça nous manque, tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que même dans les manifs, bon, il y a évidemment des militants anarchistes qui essayent de vendre le monde libertaire et qui distribuent des tracts. Enfin, c'est quand même pas le machin qui se fait vraiment fastoche. Alors, ce journal, Les Corbeaux contre la calotte, a d'abord été fondé en Belgique deux fois. Non, mais quand même, les Belges, hein. Non, mais il ne faut pas se foutre de leur gueule, hein, parce que c'est pas des nazes, les Belges. Hein. Et puis la France a suivi, évidemment, parce que vous savez que la Belgique, elle est posée sur la France comme un cerveau, voyez-vous. Alors la France, après, elle exécute. Ça, c'est pour nos amis belges que je salue. Et surtout nos amis de la radio belge que j'adore. Hein. Voilà. Voilà. À la particularité, ce journal Les Corbeaux contre la calotte, ou Les Corbeaux tout court, de compter parmi ses rédacteurs des membres de l'Association nationale des libres penseurs de France, l'ANLPF. Oh, jusqu'à quoi ça con les initiales, enfin bon, il faut bien de temps en temps faire l'intéressant. Ainsi, en 1905, à la fin de l'année. Ainsi, de 1905 à la fin de l'année 1909, vous avez bien entendu, en 4 ans, 5 ans. Aux côtés de l'assiette au beurre et de la calotte, et d'autres publications, mais aussi de partis politiques, d'associations libres, penseuses ou rationalistes, et de syndicats révolutionnaires, la revue illustrée participe au formidable combat engagé contre la calotte. Pour ce faire, elle élabore une rhétorique radicale et blasphématoire qui nous fascine encore aujourd'hui par son inventivité, sa virulence et l'actualité de son engagement. Voilà, tout ça pour en venir à aujourd'hui, pour déplorer, si vous voulez, que nos caricaturistes, cartoonistes, etc., me semblent bien faibles, si vous voulez, par rapport à ceux de cette époque, quand même, on doit le dire, particulièrement. Non, mais Jean Visin, en tout particulièrement, c'est le bouffon qui fait tous les jours un cartoon dans le monde. Là, comment il s'appelle là, ce... Plantu, mais Plantade plutôt, voilà. Ce moraliste qui ramène toujours sa science pour dire que ceci, dire que cela, qu'il faut faire attention quand on dessine, ne pas dessiner n'importe quoi. Alors je dois dire qu'il devrait faire attention à ce qu'il dessine lui-même, parce que c'est vraiment n'importe quoi, là, pour le coup. Hein? Bon, il y a des audacieux, quand même. On ne peut pas dire que la caricature politique est complètement nulle aujourd'hui, mais quand même, depuis des événements récents qui ont attenté à la vie de cartoonistes célèbres, d'une revue satirique célèbre que je ne vais pas encore citer parce qu'elle est tellement citée, ils savent faire leur publicité depuis ce temps-là, voilà, il y a quand même des, comment je dirais, bon, de la rétention dans la caricature, vous voyez, il y a des choses qu'on n'ose pas trop aborder. Et c'est dommage, mais en même temps, moi, je peux comprendre, les mecs, ils ont envie de vivre. Hein. Bon, ouais, ils sont pas tous suicidaires, hein, mais en même temps, bon, si les gens qui parlent, qui critiquent, si vous voulez, en tout cas, par conviction, pas par opportunisme, qui critiquent par conviction, si vous voulez, toutes les menées religieuses d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, etc., qui tendent à faire régresser notre société à un point où qu'on n'ose même pas imaginer, parce que ça peut vraiment aller très loin. On en a des exemples tous les jours. Voilà, sous la pression des événements et des attentats, etc., etc. On est tous, si vous voulez, un peu concernés dans la mesure où on est tous partie prenante dans les causes qui ont amené à cet état quasi permanent aujourd'hui du terrorisme. Voilà. On s'attaque toujours aux effets, mais jamais aux causes. Et nos caricaturistes hexagonaux devraient un peu se pencher sur les causes plutôt que sur les effets, voyez-vous, je me semble. Hein. Ils pourraient caricaturer, évidemment, nos politiques qui ne font rien que, si vous voulez, s'attaquer aux effets, mais toujours pas aux causes, voilà.
Il y aurait des cartoons à faire à propos des causes, c'est-à-dire de l'état de délaissement total de ces ghettos que sont ce qu'on appelle les cités périphériques de Paris, là, dans les banlieues les plus éloignées, qu'on éloigne encore de plus en plus, voilà, comme la Seine-Saint-Denis et compagnie, voyez-vous, mais il n'y a pas à aller si loin, hein, vous savez. Il y en a à Montreuil-sous-Bois aussi, il y en a à Nogent-sur-Marne, il y en a à Fontenay, à Champigny, à Joinville, au Péreux, il y en a partout en France, à Avignon où j'ai résidé quelque temps, relégation dans le sud. Vous avez des cités monstrueuses, complètement coupées du reste du monde vivant. Voilà, alors, mais là, personne n'en parle. De temps en temps, il y a une éruption de boutons. Quand il y a quelques jeunes gens dans ces cités qui s'excitent et qui foutent le feu à des bagnoles, mais à part ça, bon, c'est le néant. Alors voilà, on peut se foutre de la gueule des curetons, on peut se foutre de la gueule de tout ce qui les motive, de tout ce qu'ils font, etc. Ça, c'est tout à fait normal, et c'est pas assez, à mon avis, fait. Enfin, de la même manière, en tout cas, que nos camarades du début du 19e siècle, la fin du 19e siècle et du début du 20e, voilà. On est un petit peu mou des genoux de ce côté-là, mais enfin on ressemble pour, je dis nous, oui, on est tous concernés, pas simplement les cartoonistes, on est tous concernés, on est tous un peu mou du genou à ce propos-là. Voilà, bon, tout ça pour vous dire qu'il va falloir que vous lisiez absolument ce bouquin de Guillaume Douazy, Les corbeaux contre la calotte, la lutte anticléricale par l'image à la belle époque, à la belle époque entre 2000 guillemets, parce que c'était pas une belle époque du tout. Enfin, c'est belle pour toujours les mêmes mecs, ils sont aussi là aujourd'hui, les mecs pour qui l'époque est belle, hein, les Arnaud, les Pinault et compagnie, voilà. Et ça sera aux éditions Libertaires, 184 pages, 36 planches couleur, 15 euros. Ouais, mais je vous en reparlerai à propos de l'Irapublico, parce que faire une intox. J'ai bien tout dit, vous avez compris ou pas? Alors, faut le dire, enfin, j'espère que j'ai fait passer le message, hein. Hein, on se bouge le cul, c'est ça le message, voilà. Bravo. Alors, une citation de Coluche. Grâce à l'armement nucléaire, puisque nous sommes nés par erreur, peut-être mourrons-nous par erreur. Voilà, tout ça pour aller sur du côté de Bure et de ce site d'enfouissement des déchets nucléaires. Parce que hier, c'était dimanche 14 août en fin de matinée, il y a un cortège d'environ 400 militants qui se sont avancés vers la forêt, qui ont été vers le petit village de Bure. Donc c'est aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne. Là donc où l'ANDRA, hein, l'ANDRA c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, donc a prévu de construire ce site complètement fou d'enfouissement des résidus radioactifs les plus dangereux. Hein. C'est jamais que 100 000 mètres cubes, je crois, sur 100 000 mètres cubes de déchets atomiques enfouis à 500 mètres sous terre. Et là, étonnamment, c'est seul un hélicoptère semblait surveiller les lieux. C'est-à-dire que l'ANDRA a quand même fait parler d'elle avec des milices privées, des vigiles qui surveillaient les lieux, qui ont pas mal tabassé quand même les militants. Et là, ce dimanche 14 août, donc il y avait juste un hélicoptère dans le ciel. Donc les manifestants se sont munis de masses, de baramines, de béliers, de pioches, de cordes, et ils ont abattu l'un après l'autre les pans d'une enceinte de béton. Parce qu'effectivement, l'ANDRA a entouré tout le site d'un mur de béton qui fait 3 km de long sur... Non, il n'est pas encore fini, le mur, si. Je ne sais pas si c'est fini, mais en tout cas, les militants sont venus ce week-end donc casser tout ce qui était apparemment dans une ambiance assez festive. Donc, les murs qui n'ont pas été abattus ont été tagués. Donc, il y avait des slogans comme « Vos déchets, on n'en veut pas, ni ici, ni ailleurs. Que revive la forêt communale ?» Ou alors, plus loin, des grosses lettres jaunes « On défait le mur » et tout le monde criait « La forêt, elle est à qui? Elle est à nous, l'ANDRA dégage. » Oui, et puis il paraît que la justice s'est mise dans le coup aussi. Oui, c'est ce que je vais raconter un peu après, quoi. D'autres encore replantent des arbrisseaux donc sur les parcelles déboisées. Et comme dit très justement un des militants, la vraie violence, c'est celle d'une agence qui colonise le territoire, qui défriche la forêt en toute illégalité et qui construit donc ce mur de la honte. De fait, la fronde contre la poubelle nucléaire de Bure, donc qui avait longtemps été limitée aux associations locales et aux réseaux antinucléaires,
a changé de visage et de méthode depuis donc que l'Indra a entrepris des travaux dans ce massif de 220 hectares. C'est ce qu'on appelle, c'est dans le bois le Juc. Donc c'est la commune de Mandres-en-Barrois dans la Meuse qui se trouve à l'aplomb du futur site de stockage, donc qui, comme je le disais, qui confine à 500 mètres sous terre dans 300 km de galeries, donc 100 000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs et à vie longue, pour un coût de 25 milliards d'euros, un coût prévisionnel. On sait très bien que les prévisions sont jamais très, très justes et en général, les coûts sont nettement majorés. Ces travaux, indique l'Indra, consistent donc en une campagne de reconnaissance géotechnique destinée à recueillir les données nécessaires aux études de conception du projet CIGEO. En clair, bon, des forages et des relevés de terrain qui lui permettront de présenter en 2018 une demande d'autorisation de création du centre de stockage pour un démarrage du chantier de construction en 2021 et une mise en service en 2025. Et pour sécuriser donc le site dont elle est propriétaire, l'agence a d'abord planté une double rangée de piquets et de barbelés, clôture qui a été arrachée et cisaillée par des militants qui en ont fait des barricades, derrière lesquelles ils ont tenu la forêt pendant 3 semaines. Donc ça, c'était entre le 19 juin et le 7 juillet, avant d'être délogés donc violemment par des gardes mobiles. Et à la place, donc, c'est un mur de béton de 2 mètres de hauteur qui a été érigé. Et là, le chantier est carrément transformé en camp fortifié. Donc il doit s'étirer sur 4 km de long et se pose au milieu d'une large saignée, s'entraîner, selon les opposants, donc le défrichement de 7 hectares sur lesquels des chênes centenaires ont été tronçonnés. Donc, alors maintenant, la parole du directeur du centre Meuse Haute-Marne de l'agence. Nous n'avons jamais interdit à personne de se promener dans les bois qui nous appartiennent, d'y pique-niquer ou d'y cueillir des champignons, mais nous devons protéger nos salariés qui subissent des menaces et nos matériels scientifiques. Donc ça, c'est pour justifier effectivement ce mur. Mais la donne a été changée le 1er août quand le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, justement, qui est saisi par des associations et des habitants de Mandres-en-Barrois, a considéré que l'Indra avait procédé pour installer son mur à un défrichement illicite, donc il lui a ordonné de suspendre tout déboisement et de remettre les lieux en état, c'est-à-dire d'y replanter des arbres, dans un délai de 6 mois, sauf à obtenir de la préfecture l'autorisation de défrichement nécessaire. Alors l'Indra reconnaît une erreur d'appréciation sur la réalité du déboisement, mais elle continue d'annoncer qu'elle n'exclut pas de reprendre des travaux de pose de la clôture dans les prochains jours. Et de mémoire d'opposant, c'est la première fois que le projet d'enfouissement des déchets radioactifs subit un revers dans un tribunal. Donc c'est quand même une victoire historique. Militante de longue date, qui raconte une militante de longue date donc contre ce projet CIGEO et qui est membre de la coordination Burstop. Ils ont un site internet qui est très bien fait, qui reprend date par date toutes leurs actions. Et donc voilà, c'est un encouragement à continuer à se battre. Et c'est donc c'est dimanche matin, c'est ce que ces manifestants ont fait. Ils n'ont pas attendu que l'Indra casse elle-même le mur qu'elle n'était pas prête de défaire. Donc ils ont pris leurs petites mains, leurs outils et ils y sont allés. Oui, ce qui voilà. Est toujours un peu le cas avec ces jeunes gens dynamiques, ou moins jeunes, mais en tout cas la majorité, je pense, sont des très jeunes gens. Voilà, tous ces qui se battent dans différents points du territoire pour préserver, si vous voulez, des espaces naturels, voilà, mis en péril par les espèces de... Comment on pourrait appeler ça ? De malades mentaux graves, de sinistres crétins qui dirigent ce pays. Voilà, la ministre de l'Environnement en tête, qu'on n'entend pas beaucoup parler ces temps-ci. Chaque fois qu'il y a des événements comme ça, on ne l'entend pas. Voilà, ouais. Elle recherche plutôt les choses qui soient pour elle un petit peu plus, comment dirais-je, gratifiantes. Voilà, on est vraiment bien, bien lotis dans ce pays. Enfin, plus on y pense, plus on se demande dans quel monde on vit. Ouais, voilà. Enfin bon, là, il y a eu un jugement de tribunal dans le bon sens. C'est toujours ça. Bon, après, effectivement, est-ce que la préfecture derrière va pas signer un papier ? Mais au moins, c'est quand même toujours agréable de noter qu'il y a des gens qui peuvent quand même de temps en temps réfléchir dans le bon sens. Quoi. Oui, dans le bon sens. Mais au fond, on sait que la préfecture, elle est aux ordres de ceux qui nous gouvernent, qui croient nous gouverner plutôt, et que bon, si l'ordre vient de là-haut sur la montagne,
Eh bien, ça va être fait, vite fait et bien fait par la préfecture, ouais. Comme d'habitude. Mais en tout cas, bravo à tous ces manifestants hein, qui n'hésitent pas à se rendre sur les lieux et à s'investir à chaque fois. Quoi. Oui, et puis au juge, enfin, une partie de la justice qui, pour une fois, dit pas trop de conneries. Quoi. Il va dans le sens des choses plus raisonnables pour notre vie future. De ferme là à cause toujours, le monde va et le mal court. Dictatie et démocrature sont les faunées de l'imposture. Les siècles passent et leur galop dévaste les monts et les veaux. Les pouvoirs pavanent et vitrines, du carrosse à la limousine, et du showbiz à la jet set. Ça fait ses comptes, ça fait la fête, du parachute au paradis. Ma foi, c'est toujours ça le prix. De ferme là à cause toujours, le monde va et le mal court. Dictatie et démocrature sont les faunées de l'imposture, et cette trahison d'éclair, ces collabos de la classe affaire. Tu crois qu'on avance des clous, mais ça recule un peu partout. On nez nous monte comme en prime un remugle d'ancien régime. Quand on aura ton overdose, peut-être qu'on sortira de l'ankylose. De ferme là à cause toujours, le monde va et le mal court. Dictatie et démocrature sont les faunées de l'imposture. C'était Jean Vascard, Rage dedans.